Bienvenue dans la grâce. Je sais ce qu'on raconte à mon sujet. Je serai une menteuse, une manipulatrice. J'empoisonnerai les esprits. Mais je vais te raconter une autre histoire. La vraie, cette fois. Il était une fois une jeune fille, mise à l'écart par sa propre communauté, harcelée par ses amis, maltraitée par sa famille. La drogue devint son seul refuge. Elle était seule au monde. Elle voulait mourir. Puis elle rencontra le père. Elle reprit espoir et confiance. Le père lui montra qu'elle était spéciale, qu'elle était pleine de vie et d'amour. Il lui offrit une autre famille qu'il acceptait telle qu'elle était vraiment. La jeune fille retrouva le goût de la vie. Elle avait trouvé. Un jour, le père l'emmena ici. Il lui demanda si elle avait confiance en lui. Il lui demanda si elle voulait mourir pour lui. La jeune fille qui voulait vivre à tout prix prit peur. Le père lui dit que c'était une épreuve. Il aurait foi en elle, si elle avait foi en lui. Elle ferma les yeux. Et soudain, le père tint sa parole. La voix de l'Éden éclaire pour tous les fidèles. Suis la voix. Accepte la foi. Lâche prise. Je donnerai un sens à ta vie. Je te libérerai. Bienvenue dans la grâce. Tu es le bienvenu chez nous et dans nos cœurs. Suis la voie et tu trouveras les réponses à tes questions. Même ceux qui nous combattent espèrent être sauvés. Ce n'est pas notre combat. Notre voix. Tu en es la preuve. Celle du monde extérieur. Nous avons tous besoin de t'aider. Alors nous devons être forts.
Nous devons être vigilants. Tu verras. Tu vas enfin comprendre. Parce que ceux de l'extérieur verront ce que nous avons créé ici ensemble, notre nouvel Éden. L'amour. Et ils viendront. Ils voudront nous prendre ce que nous avons construit. Tu me juges. Tu nous juges. Tu juges toutes nos actions. Les gens disent que je suis fou. Mais tous les matins, au réveil, nous voyons les mêmes informations. Tes yeux ne subissent-ils pas l'horreur? C'est ça, notre monde! Ça! Ça, c'est le monde que nous léguons à nos enfants! Des communautés qui s'entre-déchirent. Des murailles qu'on érige parce que nos leaders sont incapables d'agir. Trop idiots pour nous montrer le droit chemin. Je n'ai rien demandé. J'ai été choisi. Mais la fin du monde actuel est proche. Tu le sens. Je sais que tu le sens. Oui, car l'homme est faible. Et vulnérable. Nous sommes projetés vers notre destruction et personne n'est disposé à tenter de l'empêcher. Je le vois bien. Et toi aussi. Et nous ne sommes pas fous. Alors que sommes-nous censés faire? Faut-il rester là, à attendre l'inévitable? Je ne prétendrai pas être parfait. Mais je sais ce qui nous attend et je veux agir. Aider. Parce que la société est brisée. Et notre unique solution, c'est de redevenir ce que nous étions. Innocent et pur. À l'abri, protégé, dans notre jardin. Je peux te sauver. Qu'on essaie de bâtir. Ou bien ça t'est égal. Je te vois courir dans tous les sens et t'en prendre à des gens qui ne t'ont rien fait du tout. Ils sont en paix ici. Ils veulent y rester. Je sais bien que tu as des doutes. Mais cette histoire n'a qu'une fin possible. Et tu ne pourras rien y changer. Tes amis au dehors, la peur les contrôle. Ils ne comprennent pas. Mais lui, oui. Il te montrera. Salut, gamin. Allez. Allez, ça va aller. Je sais que tu es venu me ramener. C'est bon. Elle sait. Tout le monde sait. Je sais que tu penses bien faire. Tu penses que j'ai besoin d'être sauvé. C'est fou. Je n'ai pas envie de rentrer. Jamais. Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir au sens de ta vie? Je veux dire, au sens que tu lui as donné. Tu sais,
On nous dit qu'on peut devenir tout ce qu'on veut, pas vrai? Chanteur populaire, sportif émérite, star de ciné. Le succès est à portée de main, quoi. Mais non. C'est pas... c'est des conneries. On a des vies sans aucun intérêt. On fait seulement ce qu'on nous demande de faire. Encore et encore. Tout le monde pense pouvoir faire des choix. Mais... c'est faux. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose par choix, hein? Juste pour toi. Non, non. On vit pas nos vies. Mais la leur. Et on croit tous être libres. Mais ça, c'est qu'un mensonge. Une illusion. Putain de merde. J'en ai vraiment ras-le-bol de tout ça. Je te le dis, moi j'ai plus du tout envie d'obéir. Je refuse d'accepter sans broncher. Et je veux plus être celui qui ramasse les ordures. J'en peux plus. Parce que... si c'est ça la vie, alors à quoi bon? Ici, j'ai enfin eu l'occasion de ressentir ce que je ne pensais jamais pouvoir connaître. Le bonheur. Parce qu'en fin de compte, c'est quand même bien ça le plus important dans la vie. Le bonheur. Méfie-toi de la grâce. Tu dois retrouver le marshal. Maintenant, il faut pas que le marshal franchisse ses portes. Récupère le marshal. Vite, tu dois le sauver. Pas bien. Tu pensais pouvoir continuer à agir comme tu veux sans la moindre conséquence? J'ai été raisonnable, j'ai été juste. Mais tu es tellement égoïste! Tu as obligé quelqu'un à partir contre sa volonté. Mais tout ça pour jouer à quoi? Au héros. Tu sais ce qu'est l'hubris? C'est l'arrogance face aux dieux. Pour les Grecs, il s'agissait d'une fierté dangereuse qui alimentait Némésis, déesse de la juste colère. Si je gagne cette main, tu devras porter ton insigne. Qu'est-ce que t'en dis? Si la seule langue que tu parles est celle de la violence, sache que je peux la parler. Et avec leur sang sur tes mains... Et avec leur sang sur tes mains... On verra quel courage tu as. On verra quel courage tu as. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée d'en arriver là. Je suis désolée d'en arriver là. J'aurais aimé pouvoir faire autrement. J'aurais aimé pouvoir faire autrement.
Mais toi, tu as fait ton choix. Mais toi, tu as fait ton choix. Qui a ouvert les portes? La putain de porte ouverte! Merde! Ils sont là! Je t'ai dit que je voulais pas partir. Capable. Viens à moi, et je te montrerai un monde que tu n'aurais jamais osé imaginer. Ton shérif était un mur. Un mur entre notre père et toi. Un mur qui te cachait sa vérité. Donc je vais détruire ce mur. Ton shérif n'est plus loin. Il n'est plus loin d'accepter la parole du père dans son cœur. Et quand il le fera, il ne pourra plus jamais faire de mal. Où je suis passée? D'être libre. Tu me vois. Tu me vois plus. Tu peux frapper, mais tu ne détruiras jamais ce qu'il a créé. Tu ne sauras jamais ce que je sais.
Tu ne comprends toujours pas. Tu ne sais pas vraiment ce que tu fais, n'est-ce pas? Joseph croit qu'il va nous sauver. Mais c'est à toi que reviendra la décision. Tu es l'alpha. Et l'oméga. Tout ça a été écrit de toute façon. Tu suivras la voie. Tu sauveras ton chéri. Tu auras la gloire. Et là, tu choisiras. Et si tu refuses de l'écouter, aura raison. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. J'ai pas beaucoup de temps. Fais vite. La grâce. Tu dois l'arrêter. Il faut que tu te dépêches. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Faut que tu te dépêches! Vite!